sait tous que les conditions de vie des migrants à Genève sont désastreuses. Des bunkers aux foyers délabrés, des centres de rétention aux expulsions, la politique d'asile de la Suisse inspire le dégoût. Face à cette situation, ces derniers mois, des requérants ont acquis une visibilité publique inédite à Genève grâce à leur mobilisation. Bravo à eux. Ça fait maintenant 2 mois que l'Hospice Général avait promis des améliorations aux habitants des bunkers. Mis à part que quelques personnes engagées dans Stop Bunker ont été logées dans des foyers délabrés, aucune réelle solution n'a été proposée par le département des affaires sociales. Que ce département ne se presse pas de trouver des solutions collectives n'est pas vraiment étonnant. Par contre, nous ne gobrons pas que les solutions soient forcément coûteuses et compliquées. Nous savons bien que pour l'État, les problèmes d'argent ne sont que des questions de volonté. Lorsqu'il s'agit de construire des prisons, les coûts ne sont jamais un problème. À Puplinge, collé à la prison de Chandelon, l'État de Genève est en train de construire le plus grand centre de rétention pour sans-papiers de Suisse romande. Comme Audet ait déclaré que les familles qui y seraient incarcérées ne seraient pas demandeuses d'asile à Genève est une mauvaise blague. Ce centre est un affront en soi. À nous d'empêcher sa construction par tous les moyens pour qu'il ne voie jamais le jour. Par ailleurs, il existe un nombre impressionnant de bâtiments vides à Genève. Ne serait-il pas temps de les prendre plutôt que d'attendre que l'administration nous propose des solutions de relogement? Et encore, je voudrais rappeler que jeudi prochain, il y a l'Assemblée Générale de Stop Bunker à 18h à Unimail et que vous pouvez suivre les actualités de Stop Bunker sur stopbunkers.wordpress.com. Merci. Yoru, yoru, yoru.